Voilà, bonjour à tous, c'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 27 de City Skyline. Bienvenue à vous sur la chaîne, c'est un plaisir comme d'habitude de vous retrouver. Voilà, il n'y a pas eu d'épisode City Skyline donc pendant une dizaine de jours. En fait, il y en a eu un sur Twitch, hein, c'était, voilà, il y a déjà eu un épisode 27 avant et voilà, cet épisode n'avait rien donné de, voilà, de concluant, beaucoup de bugs à corriger, etc. À gauche, à droite, peut-être aussi tout simplement un moins bon stream. Et donc j'avais, voilà, j'ai décidé de ne pas le publier. Il n'y a pas eu de grandes choses nouvelles, hein, je vais vous les montrer dans quelques instants. Et là, on va repartir en tout cas sur un nouveau stream avec le but de construire un petit peu et d'arrêter, peut-être d'être dans la micro-gestion et d'avancer. Salut Phil, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir que tu sois là. Voilà. Bienvenue à toi et j'espère donc que tu vas bien. Moi, ça va. Dernier petit stream avant le week-end, je reviendrai dimanche soir. Alors donc, dans cet épisode-ci, aujourd'hui, on va construire ce que j'ai envie d'appeler pas un village, parce que c'est un peu, peut-être le mot est un petit peu osé vers un village à côté, juste à côté d'une immense ville, mais peut-être un endroit plus reculé, on va dire, dans les montagnes. On va essayer de faire passer des routes là-dedans, de mettre quelques monuments, enfin quelques habitations, quelques commerces à gauche à droite. Peut-être un téléphérique aussi, ça serait assez sympa. Un téléphérique qu'on ferait partir. Bon, je ne sais pas évidemment d'où, ici il y a une grande gare touristique, donc ça reste à voir. Lilira me dit que vous avez un écran noir. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il faut que je recommence? Est-ce que tout va bien? Non, moi écoute, ça me paraît bon. Voilà, donc voilà, moi ça me paraît bon. Mais c'est voilà. En tout cas, moi tout est bon dans ce que je regarde ici. Non, tout va bien. Ok, d'accord. Voilà. Alors, juste signaler donc collant dans le dernier stream. Alors plusieurs choses. Alors dans le dernier stream, alors j'ai rajouté ici une petite zone commerciale. Je vais revenir en mode. Moi, normal, une petite zone commerciale, donc j'ai agrandi le quartier d'Hampton. Tout simplement, ça manquait de commerce, j'ai décidé d'en rajouter. Voilà donc qui est fait. J'ai rajouté, je pense, dans le dernier stream aussi, une station de métro, si je me souviens bien, à la gare industrielle. Je pense que j'avais fait ça. Voilà, donc une station de métro ici, donc on a réorganisé la ligne de métro. Voilà, donc comme ceci, voilà, c'était prévu. J'ai enlevé le mode Traffic Manager President Edition. Je l'ai enlevé, celui dont on vous parlait là dans l'épisode 26. Je l'ai enlevé parce qu'il faisait trop ramer l'ordi et le stream en même temps. Donc voilà, c'était un peu dérangeant. Donc ça a été enlevé et j'ai décidé avant ce stream aussi de retirer le mode. Alors je sais pas si on m'entend. Que j'ai un. Oula, d'accord. Mon PC a décidé de faire un bruit assez horrible. Décidément sur Cities Skyline, j'ai à chaque fois des difficultés. J'ai mon PC qui fait un bruit horrible. Je sais pas si ça s'entend. Enfin bref, soit. Voilà. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Ok, ça c'est bizarre. Ok, alors attendez, je vais régler ça. Voilà. Bref. Donc j'ai décidé également de retirer le mode des trains et de la gestion personnalisée du trafic. Alors pourquoi j'ai fait ça? il va peut-être falloir investir effectivement. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai retiré le mode des trains? Parce que je me suis rendu compte que finalement à force de gérer des trains personnalisés, etc., qui sont bien jolis, mais sans plus, à force de gérer tout ça, ben c'est, je sais pas, voilà, je trouvais que ça alourdissait un peu le jeu et c'est vrai que je pouvais gérer ligne par ligne, mettre des trains personnalisés, le nombre de trains, etc. Enfin voilà, le mode de gestion du trafic ferroviaire, enfin, ou des transports, c'est bien, mais
Voilà, ça me faisait aussi des trains qui coûtaient plus cher. J'avais l'impression. Donc voilà, j'ai pas. Voilà, je me suis dit j'allais le retirer. Alors je m'étais dit en plus ça va peut-être m'arranger financièrement que les trains de base du jeu coûtent sûrement moins cher que les trains modés qu'on peut trouver de temps en temps. Bon, alors là c'est pas le cas vu que je suis en train de perdre de l'argent. Bon, c'est pas un problème, j'ai 4 millions, mais donc voilà. Donc j'ai remis les trains tels qu'ils étaient de base, avec des couleurs un peu différentes, notamment du côté du RER. Des trains de 240 places. Voilà, donc c'est un petit peu. Voilà, j'ai mis les trains de base, ça va sûrement alléger le jeu un petit peu. Donc voilà, bref, ceci étant dit, je vais pas trop me prendre la tête avec donc cette micro-gestion-là. On ira voir peut-être voilà, de temps en temps comment vont nos lignes de train. Je regardais ici, j'ai dit que je ne me prenais pas la tête avec ça, mais je vais peut-être pas avoir le choix quand je vois le nombre de trains de gens qui attendent ici. Sur les lignes, notamment de RER, il y a 477 personnes qui attendent le train ici. Peut-être juste aller voir pour le train ici, le RER A, 411 personnes au niveau des stations. Qu'est-ce que ça dit? Ah, salut Moriarty, excuse-moi, je t'avais confondu avec Lilira vu que vous êtes. Enfin, ouais, je suis désolé, mais vous avez la même couleur. Voilà. Non, non. Donc franchement, voilà. Et là, ça repart en vert. Voilà. Je ne sais pas. La micro-gestion n'est pas toujours simple, effectivement. Mais donc, voilà. À voir ce que ça donnera par la suite. Alors, on va construire ici. Je vais passer en mode jour. Ça sera beaucoup plus simple à gérer pour moi. On va essayer de construire ici. Alors, il y a toujours des problèmes de chauffage, ça c'est bizarre quand même. C'est bizarre qu'il y ait toujours des problèmes de chauffage. Où est-ce que c'est que le chauffage? Ah non, tout va bien, je vois pourquoi il y a eu des problèmes de chauffage à un certain moment. On devrait juste voir un truc au niveau également des budgets. Les monuments me pompent énormément, mon budget santé me pompe énormément. Aussi. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de monuments aussi. C'est ça qui doit plomber parfois le budget. Mais regardez, d'un coup, avant, j'étais à moins 20 000. Et maintenant, me voilà à plus 50 000. Voilà, c'est un peu bizarre. Je dois pas m'en faire. Voilà. La pauvre, si elle a la même pilosité que moi. Ok, voilà. Alors, on va donc construire un peu cette zone ici. Je vais dire, je sais pas. Moi je sais comment, voilà, je sais comment on va appeler ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait de nouvelles constructions aussi. Il y a un moment, merde. Faisons-nous plaisir et construisons. Le fait de construire un peu partout ici permettra également. Voilà, je vais mettre la zone un peu comme ça. Je vais délimiter par une route. Voilà, il y a des routes un peu partout. Alors peut-être que là je suis un peu trop optimiste. Enfin, un peu trop. Voilà. Une zone qui sera d'ailleurs uniquement accessible en téléphérique. Je mettrai sûrement un bus dans cette zone-là. Mais les trains, je pense que les lignes de train, c'est bon, quoi. Voilà. Ligne de train, à un moment, c'est bon, il faut pas exagérer. Voilà. Et éventuellement en canot pour ceux qui le veulent. Même si cette ligne de canoë, je ne sais pas ce qu'elle apporte. Salut Chonchon, bienvenue à toi. Salut Mug, un petit coucou, bon courage pour ton stage. Hein. Je referai un stream hein, sur City Skyline, celui-là va être court, hein. Celui-là va durer à peu près une bonne heure. Je ferai un stream sur City Skyline le mercredi 24 janvier à 15 h 30. Voilà, mercredi 24 janvier après-midi, ça sera le live sur City Skyline. Alors, on va construire ici une route, un peu de contournement. Qui permettra, enfin pas de contournement vraiment, pas vraiment de contournement, mais en tout cas une route qui permettra, en tout cas d'accéder
qui délimitera donc toute cette zone, tout ce quartier-là. Exclusivement en vélo, vu les pentes, ça peut être marrant. Il n'y a pas de souci, Mug. La rediff, ça sera dimanche soir. Enfin, sur YouTube, hein, sur Twitch, ça sera tout de suite, évidemment. Voilà. Alors, beaucoup de questions aussi hein, ont été posées. Enfin, voilà, j'ai eu une discussion après le live de la fois dernière qui avait, voilà, qui n'a pas été très concluant et c'est pour ça que j'ai pas mis le replay. Beaucoup de questions sont posées par rapport à ma série sur City Skyline aussi. Je ne vais pas dire que je n'arrive pas au bout, mais j'arrive à un moment où bah, ma ville, quand même, je peux être content, elle est développée, il y a différentes cartes, quartiers, etc. Peut-être par manque d'idées. Voilà. Un manque d'idées aussi qui peut-être à un moment me bloque un peu, un manque d'inspiration. Voilà. C'est pas facile de toujours trouver de l'inspiration. Et moi, être trop dans la microgestion, alors franchement, j'aime bien. Mais. Si on veut vraiment avoir une bonne micro-gestion dans ce jeu-là, il faut venir avec des mods, le trafic et tout ça. Et moi, à un moment, ça me gonfle. À un moment, ça me gonfle. J'aime bien la gestion, j'aime bien la. Mais la micro-gestion, tout le temps, de faire plus que ça, essayer de résoudre des problèmes de trafic, qui de toute manière, à la base, qu'on le veuille ou non, le trafic qu'à la base dans le jeu est mal foutu. Voilà, point, c'est tout. C'est pas. Voilà, enfin. C'est pour créer. Chaque fois qu'on s'attarde à la micro-gestion dans Cities Skylines, on se retrouve à créer à gérer les problèmes et les conséquences des problèmes, les conséquences des conséquences des problèmes, voire les causes des problèmes, les causes des conséquences, enfin, voilà. Et on n'en sort plus, on fait plus que ça, et il y a un moment, enfin voilà, c'est presque un cours de maths. Et franchement, voilà, moi, c'est quelque chose qui à un moment. Voilà, je vais dire, ne faire que ça à un moment, ça me plombe. Alors, j'ai aucun souci avec les gens qui m'ont aidé à faire ça et je les remercie beaucoup parce que seul je n'y serais pas arrivé. Mais c'est compliqué, voilà, c'est quand même assez compliqué et en plus, voilà, j'ai envie que mes épisodes aient du contenu et je pense que la gestion à chaque fois de petites choses, à force, voilà, c'est un peu ennuyant. En plus, le stage chez Onetto. Oh, courage, mec. On n'a pas Netto en Belgique, mais je vois ce que c'est. Voilà. Donc, je vais essayer de construire un petit peu. Et on micro-gérera petit à petit. Après, on micro-gestionnera petit à petit. Alors, je vais ici appeler ça. Alors, dans un nom très modeste, je prends beaucoup la grosse tête en ce moment. Les Alpes Asgariennes. Voilà. Je trouve ça vraiment important. Je trouve que ce. On pourrait partir à la limite de cette route qui a son intérêt. Alors, évidemment, on m'a dit, mais utilise. Oh, t'as trois voies asymétriques. Ah bon, ça c'est marrant ça. C'est nouveau ça. Les routes à trois voies asymétriques, j'ai jamais vu ça. Ok, bon bah voilà. Voilà, mais donc rassurez-vous, j'arrêterai pas ma série sur City Skyline. C'est un jeu auquel je jouerai assez souvent. Il y aura un peu moins de stream qu'avant. Voilà, j'essaierai à m'en tenir un par semaine ou un tous les 10 jours, comme sur Transport Fever ou comme sur No Man's Sky. Parce qu'à un moment, voilà, on tourne de toute façon un peu en rond. Et j'ai d'autres jeux en cours qui, pour le moment, me passionnent beaucoup, beaucoup plus. Alors je sais pas si mettre ça va faire monter de la valeur. Je sais pas trop, on verra un peu les politiques qu'on met dans ce quartier. De toute façon. Alors on va essayer de faire passer ces routes. Bon, je sais pas trop. On pourrait faire déjà une route un peu comme celle-là. Ouais, évidemment, de faire passer une route ici, c'est que ça va casser. Complètement. Ouais, faudra faire passer. Je vais peut-être construire ça comme ça. J'ai téléchargé un ou deux bâtiments à placer dedans.
dans ce village, mais là aussi. Le problème que je risque de rencontrer, c'est que les monuments, ça me coûte cher. C'est vrai que j'ai eu une période où j'ai mis beaucoup de monuments, ce qui a dû un peu me... me porter préjudice. À mon avis, cette route-là, on va simplement la faire en... Voilà. Il y a une route qui part ici, comme ça. Et rejoindre ici. Voilà, un petit réseau routier. On va essayer de faire rejoindre ça. J'aime bien l'idée d'un petit tunnel. Vous avez des idées en matière de type de construction? N'hésitez franchement pas. On m'avait dit aussi pourquoi pas essayer de mettre des chemins de terre sur ce village. Voilà. Voilà, il y a sûrement aussi une route qu'on peut faire passer un peu par ici. Mais ça sera bien. Suivre un peu les vallées. Alors le problème après, ça va être les constructions, évidemment. Le problème après, ça va être les constructions. Et ça, je n'en donne pas très cher. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas... qui est pas au sein du jeu. Je me dis voilà, des sommets enneigés ou ce genre de trucs. Je trouve que ça manque un peu. Donc voilà. J'ai plus aucun message sur le chat. Alors, enfin voilà, je sais pas. C'est peut-être normal, hein, peut-être que personne ne parle, mais parfois je sais que mon chat n'affiche plus les messages. Donc si quelqu'un peut juste faire un petit message pour que je sois rassuré, ça serait bien. Ah, ok, nickel, nickel. Non, non, mais si vous parlez pas, c'est pas... Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis pas en train de dire mince, il parle pas, c'est juste... j'ai peur que... Il y a des trucs intéressants qui soient dit et que je ne les ai pas. Vous faites la sieste, quoi, franchement. Donc, je sais pas ce que ça donne au niveau du réseau. Il faudrait peut-être prévoir quelque part une route. Partant également comme ceci. Faisant ceci. Ah, c'est chouette de redémarrer, de recommencer à construire en fait. Là, à mon avis, je mettrai un petit peu plus de choses. Mon avis, ça va être qu'écolo au niveau des constructions. Ça fera plus.
Voilà. Ah, salut The Beefsteak. Bah écoute, ça va super. J'espère que toi aussi. Toi sur un live de City Skyline? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, je mettrai des chemins de terre à l'intérieur. Mais alors, par ici. Voilà, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. À part peut-être ici. Une route qui part comme ça. Qui part comme ça aussi. C'est un chemin de terre aussi à l'intérieur. Ouais, effectivement, Phil, voilà, c'est vraiment le plus gratifiant. C'est la construction. Enfin, voilà, c'est un moment. En fait, j'ai de plus en plus envie de remplir tous les espaces verts, en fait. Oh mon dieu, pas lui. Shabakan! Ah là là, tu vas recevoir un coup de sarbacane hein, si tu continues. Ça fait plaisir de te voir. Quelle surprise! Je me demandais qui était ce mystérieux petit pseudo foncé là au fond. Eh ben franchement, c'est super. Je suis content de te voir. J'espère que tu vas bien. Et comme je dis à chaque fois, bon, il faudrait que je me renouvelle. Chat par exemple. Chat par exemple. Les Alpes Asgariennes. T'as vu ça? C'est quand même exceptionnel. Hein. C'est quand même exceptionnel, les Alpes Asgariennes. Allez, on va mettre des petits chemins de terre. Espèce de route. En fait, les chemins de terre, ça va être des routes à sens unique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ça j'aime pas, par contre, c'est bon. Et salut Mathieu. Enfin, je me sens pas concerné par salut les filles, mais salut Mathieu. Tu ne. C'est des blagues, ça va bien comme ça. Ben oui, effectivement. Effectivement. Voilà. Si vous voulez un streamer qui fait des trucs sur des blagues super nulles, un peu hippie, bobo 68ard, bah voilà, vous allez voir Shabakan. Voilà. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques, mais on s'entend très bien. Et tu l'as faite, l'Asgard du Nord? Ah, je leur ai fait beaucoup de blagues. J'ai pas fait l'Asgard du Nord. J'ai fait l'Asgard centrale. Elle est là. Voilà. J'ai fait l'Asgard touristique. Voilà. Mais en fait, les blagues que tu fais là, je les ai toutes refaites. Ils les connaissent, mais je les ai prises à mon compte, tu vois. Donc voilà, quoi. Il doit être content de ses descriptions. Asgard à toi si tu continues. Voilà. Mais c'est facile, Asgard de robe, tout ça, tout ça. Non, mais voilà, ça fait plaisir de te voir passer de temps en temps. Parce qu'avec nos activités, Shabakan, on n'a pas l'occasion de se voir. On ne se voit pas assez. Je te l'ai déjà dit, tu le sais très bien en plus. Ok, je t'avais vu venir le coup du bobo 68. Je n'avais pas vu venir le coup du bobo 68. Hein. Non, mais tu sais, après. Bon, j'aurais pu te traiter de.
J'aurais pu te traiter de Trumpiste, mais je pense que ça peut pas marcher chez toi, je vois. Enfin, tu me diras chez qui ça marchera. Ah, t'as bien fait de venir, hein, Javakan. T'as bien fait de venir. Ça par contre non. Ça par contre c'est pas possible comme route. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment ça fait quand même des routes un peu particulières, quoi. C'est plutôt incompatible en effet, mais j'aurais pas vraiment vu comme une assile Trumpiste. Tu construis quoi là? Ben je peuple la montagne. Je peuple la montagne. Voilà. J'ai construit les Alpes asgariennes. Voilà. Franchement, c'est important de faire les Alpes asgariennes. Voilà. Et on verra bien comment, voilà, ce que je mettrai à l'intérieur, mais je fais les Alpes asgariennes. Ça serait bien qu'il y ait une route qui arrive ici tout en haut. Vraiment bien. Voilà. On pourrait faire une station de ski, oui, le problème, une station de ski sans neige, ça fait station. Ça fait bizarre quand même, vous trouvez pas? Moi je trouve bien cette route-là. Franchement, elle est super, non? Il y a des routes qui passent par l'Asgarig. Je vais bientôt stream, alors je fais mon quota de blagues sur ton stream. L'Asgarig. Ah, la Garig! Ah oui, évidemment. Ouais, c'est pas mal, hein. Shabakan, tu m'avais manqué. Oh mon dieu, il faut. Ah! Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donne-moi mon quota de blagues. Y a pas un mode pour peindre avec de la neige? Ah non, mais bon, on me parle plus de mode. Moi, je veux plus de mode. Moi, les modes, ça m'alourdit mon jeu, etc. Alors, parfois, de temps en temps, je prendrai des bâtiments, mais. On me parle plus de mode. J'aime pas ça. J'aime pas les modes. J'aime plus les modes. Voilà. Je sais pas. Peuplon, c'est montagne. Voilà. D'ailleurs, c'est quand même très sympa tout ça. Mais c'est très sympa tout ça. Ça me fait rougir, tu veux dire que c'est. C'est passé de mode. Ouais, c'est démodé, tu vois. C'est démodé. Mais au fait, ça m'énerve quand tu passes sur mes streams parce que tu deviens, t'es un meilleur humourouilleur que moi. Et donc, du coup, tu me fais concurrence, au fait. Pas si t'as compris ça. Voilà. On a construit des routes pendant. Une bonne partie du stream. Voici les Alpes asgariennes. Agarogori! Ah oui, en plus, là, en mode chanson bobo 68 art, Garogori, y a pas mieux. Attends, Shabakan. Shabakan, s'il te plaît. Ici, ça va être l'avenue Shabakan. Voilà. Ah ouais! Tu vois, il veut pas. Avenue Chat Bas Cannes. Voilà. Ah, l'humourouilleur. Nice one. Tant mieux, voilà, c'est très bien. Et alors, l'avenue Chat Cannes. Et alors, ici, ça va être le boulevard The Beefsteak. Il n'a pas encore son boulevard The Beefsteak. Voilà. Et il est long ton boulevard The Beefsteak, il est vraiment très long. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, c'est à l'image de. Pardon. Alors l'avenue Shabakan aussi, elle est longue. Et l'avenue Shabakan, on va y mettre des accidents. Oui, des manifestations, tu vois, coin de pouvoir et tout ça. Et alors, quand même. Moi, je trouve assez normal que cette avenue-là. Parce que je suis tellement un personnage haut, en couleur. Je suis un personnage très haut en couleur, vers le sommet. Vers le sommet, on trouvera qui? Le leader suprême, c'est moi. Allée du leader suprême.
Voilà. Et le chemin est long pour venir vers moi, mais je suis modeste, je ne me suis mis qu'une petite allée. Voilà, l'allée du leader suprême. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc c'est. Non, franchement, ça se tient. Les Alpes asgariennes. Au-dessus du leader suprême, il y a moi quand même. Ça dépend dans quelle position on utilise, Mathieu. Donc, voilà un peu les Alpes asgariennes. Vu de haut, franchement, moi je trouve ça en jette. Oui, purée, ouais, avec un problème avec les chevilles aujourd'hui. Bah non, je me suis mis que sur une allée. Quand même. C'est bien, non? Gardez-moi ça. Le Christ. Regarde, le leader suprême qui peut contempler sa ville. Ah bon, il y a un problème de... J'aime pas ça, les problèmes de... Voilà. Bon. Trouve que mes chevilles sont beaucoup trop petites, d'ailleurs. Alors. Comment va-t-on organiser ça? Va falloir qu'on organise le téléphérique. Ouais, il va falloir qu'on organise le téléphérique. Il faudra que le téléphérique il parte d'un endroit où on peut faire partir le téléphérique. Il y a une station de métro ici. Je trouverais ça utile à la limite de faire partir le téléphérique devant la station de métro. Ou devant une gare, pour renforcer la gare. L'Asgard. Salut Riceback, j'espère que tu vas bien. Il y a une gare juste ici. Moi, je ferais partir le téléphérique d'ici. Ben ouais. Partir le téléphérique qui irait, qui traverserait toutes les Alpes ici et qui irait se loger à un endroit où on mettrait un arrêt pour les canaux. Il y a de l'idée, hein? Ça va super. Pense téléphérique. Ouais, je pense téléphérique. Je vis téléphérique et j'aurai des chevilles plus gonflées. Faut que tu te vantes un peu. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais moi je connais pas ça, tu vois. Je connais pas. Voilà, et ben voilà. Riceback, je vais t'offrir un chemin. Voilà. Riceback. Je t'offre un chemin. Vous me remercierez plus tard. Bon. Maintenant qu'on a fait les Alpes asgariennes, le téléphérique. Comment ça se passe encore en téléphérique? Alors, j'ai fait la Table Mountain hier. Non, hier, ici. On a fait ça comme ça. Voilà. Franchement, l'observatoire, il est bien. Mais j'en mettrais bien un tout en haut, je trouve, ici. On verra un peu comment. Ici, il faut mettre un monument, quoi. Ouais. Tu es un chemin. Tu es un chemin. Tu es un chemin. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Tu es un chemin. Il n'y a pas de route pour aller tout en haut. Moi, je suis un arrêt de bus à côté des poubelles. Ah oui, Mathieu, ça c'était il y a longtemps, ça. Bon, voilà, je vois bien Mathieu qui rouspète un peu. Je vais lui mettre le boulevard des alcooliques. Voilà. Ça, c'est pour Mathieu. Alors, tu as un chemin pan. Un chemin pan. Parfait. Moi, j'ai un chemin pan. Un chemin pan. Non, mais j'ai un panthéon. Oh là là. Un chemin pan, c'est bof, hein, ça, à Chabacane. Sauf pas bon, allez, un chemin pan. Non, mais on perd du temps en plus. Hein. On perd du temps. J'aurais construit que des chemins dans mon stream. Voilà, un chemin pan. Voilà. Bon, arrêtez avec vos noms de débiles, là. Enfin, franchement, c'est ridicule à force. Alors. Voilà. On peut être. Patobos, c'est n'importe quoi, Chelife. C'est dans quel Astérix où ils parlent il parle tous en che là. Bon, alors. Le téléphérique. Arrêt téléphérique. Terminus de téléphérique. On va mettre un terminus de téléphérique. J'ai envie de faire partir de cette gare-là, comme ça fera fonctionner la gare. Mais le problème, si on fait partir de cette gare-là, c'est qu'il va falloir bien penser les choses. Et ça, franchement, bien penser les choses et Asgard, ça va pas ensemble.
plus qui m'énerve là. Ouais, je suis obligé de le mettre de ce côté-là. Alors, vous allez me trouver un endroit. Parce que. Attendez, il faut que je regarde comment ça parte ça. Je m'insupporte des fois. Mon dieu. Allez, chemin supporte, je prends. Non, chemin supporte, je prends. Franchement, chemin supporte, je prends. Ceux qui découvrent ma chaîne grâce à ce live, ils doivent se dire, mais qu'est-ce, c'est n'importe quoi. Allez, chemin supporte. Ça, je prends. En Lituanie. Pourquoi c'est en Lituanie? Qu'est-ce qu'il y a? Exprime-toi, Phil. Réexplique-moi la vie. Où est la Table Mountain? Je suis perdu dans ma ville, voilà. Alors la Table Mountain, elle est là. Non, ça peut très vite partir. Donc on va refaire les rails. Juste pour pouvoir mettre à côté de la gare. Le téléphérique. Vous allez voir que ça ne va pas marcher. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et on va faire un premier arrêt là. On va faire un arrêt. On va trouver des trucs. Vous allez voir. Donc ici, ça sera que du commerce. C'était l'idée. Yeah, Astérix. Astérix en Lituanie. Ah, merci! Mais non, c'est pas en Lituanie. Astérix n'a jamais été en Lituanie. Oh là là, on voit tes classiques un peu quand même. Alors, on va reconstruire le train ici. Et ça ne marchera jamais. Voilà. Je vérifie un peu. Hein. Ouais, si ça marche. Voilà. En Hispanie, vous. Oui, alors, ouais, je t'expliquerai un peu. Hein. Je t'expliquerai un peu ce que c'est que l'Hispanie et la Lituanie. Truc, c'est que ça va être particulier parce qu'il faudra qu'à chaque arrêt de téléphérique, il y ait un arrêt de bus, au fait. Pour bien faire. On va passer les arrêts téléphériques. Le téléphérique va partir jusque là. Comment ça va se construire ça? Ok, d'accord. C'est pas mal foutu. Ensuite, j'aimerais bien qu'il parte jusque là le téléphérique. Qu'il aille jusque là. Qu'il descende jusque là. Et qu'il aille jusque là. Voilà. N'oublie pas aussi, mon cher Phil, que nous nous retrouvons dimanche soir pour montrer au monde ce que l'on sait faire ensemble. Ah bah oui. Dans la galaxie. Oh mon dieu. Alors j'aimerais bien le long de ce truc pouvoir placer le téléphérique en terminus cette fois-ci. Le terminus du téléphérique va être ici. Voilà. Voilà. Alors Mathieu, comment te dire? J'ai eu envie de l'avoir en tout cas. Mais j'imagine, ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent faire des playlists très très réalistes et je n'en suis pas évidemment. Il y a moyen de faire comme ceci
Ok, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, mais ça c'est mal foutu par contre. Ouais. Là c'est très très mal foutu parce que ça doit venir. Ah, on va déplacer ça alors. Hein. Ah, vu qu'on transfère le bâtiment ici. Voilà. Bon, on va jeter un coup d'œil, voiture d'avant, ça va, c'est un tas. C'est justement le mot taf de dingue qui me fait peur. Mais j'ai déjà vu des, en tout cas des. Mais j'irai jeter un coup d'œil. Le nombre de personnes à qui je dis ça. Pourquoi espace déjà occupé? Pourquoi je peux pas passer au-dessus de... C'est quoi cette nouvelle Ah mais je peux. Oui mais je suis con, oui, ok. Comment est-ce qu'on fait pour Ici c'est mage, c'est ça? Voilà. Alors maintenant ça va être jusque là-bas. Juste moi qui ai le vertige, je suis en train de faire quelque chose mais qui est complètement... Forme invalide, comment ça forme invalide? Je vais t'en donner des formes invalides, moi. Là, ça va pas aller, évidemment. Toujours de construire ce téléphérique. C'est l'angle du virage qui va pas, d'accord, ok. Et là, c'est espace déjà occupé, sauf si je le fais monter un petit peu. Et ici, c'est parfait, ok. C'est vrai que les téléphériques, je suis pas du tout habitué à ça. Salut Connu, bienvenue à toi. Alors ensuite, ils vont aller jusque là. Non mais voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager hein, sur le Discord vos vidéos. Que ce soit les... ou des photos de vos villes ou des vidéos que vous trouvez sur YouTube. Il y a des villes extraordinaires qui sont faites. Je n'en doute pas. Même si moi je ne suis pas un spécialiste du jeu, ben, je ne doute pas évidemment que ça soit assez exceptionnel. Ça c'est clair. Voilà. Et alors ici, ça va être compliqué parce que ça va traverser la ligne à haute tension, ça c'est pas mal ça. Oh là là, moi qui ai le vertige quand je vois cette partie-là du téléphérique, je me dis mais jamais j'oserais. Hein. Ah, par contre c'est mal agencé ici. Ouais. C'est très très mal agencé. Le vendredi soir, ouais. Vendredi soir, vendredi 26, live sur ETS2, ouais. Tu viendras avec grand plaisir. Je sais, ça sera super. Il y a déjà d'autres candidats et c'est bien. Si on peut être plus, on est nombreux sur ETS2. Plus c'est sympa. Voilà. Voilà, je pense qu'au niveau téléphérique, on n'est pas trop mal.
Ça, bah écoutez, moi je trouve que ça se défend. Ça se défend comme quartier. Voilà, donc ça c'est au niveau du transport, c'est assez bien. Je pourrais pas être là, je vais reprendre le stream sur là. Mais tu vas reprendre le stream sur ETS2 alors, c'est cool. C'est bien, et comme ça on streamera tous les deux sur ETS2. Ça marche aussi, hein. Alors ici, je vais devoir mettre un arrêt de ferry. Embarcadère, arrêt de ferry. Pourquoi ça marche pas? C'est trop loin, j'imagine. On s'en fout de la sortie de Monster Hunter. Non, mais d'accord. T'as tes priorités, hein. T'as tes priorités, et moi je ne peux pas discuter ça, hein. Chacun ses priorités. Ça a pas marché, hein. Pourquoi je le fais? Je sais que ça a pas marché. Bon, allez. Continuons à construire ça. Voilà. On va essayer de mettre une route. Je sais pas si je fais ça. Si je tourne ici ceci. Ah, c'est pas mal ça. Je trouve ça super bien. Super droit et tout. Bon, on va d'abord placer l'arrêt de ferry. Comme ça. Ah, c'est qu'il y a la route dedans en fait. Ah oui, c'est ça le problème. Ah oui, il y a la route de... Ah non, en fait, c'est même parfait, mais le problème, ah, il y a la route dedans. J'avais presque oublié ce petit détail insignifiant. Alors, ouais, j'avais presque oublié ce petit détail insignifiant. Finalement, je trouve pas ça si mal que ça, parce que ça fait faire attention aux piétons, etc. Moi, je trouve ça sympa, et ça vaut même un parking, ça. Ouais, ça vaut mettre même un parking et un aquafun park. Voilà, on va mettre le parking, je vais mettre l'aquafun park, je vais mettre le parking à côté. Un petit parking, hein, de rien du tout. Voilà. Autant faire de cette zone une zone sympa pour les touristes, etc. quand même. Ne nous gênons pas. Je trouve ça super important. Et j'ai essayé de mettre au-dessus, près de chaque téléphérique, des choses. Allez, ils sont pas censés être sur l'eau, les quais. Ouais. Mais ils embarquent ici, tu vois. Tu vas voir. Tu vas voir. Les caisses sont censées être sur l'eau et c'est bien normal. Alors, il faut que je modifie la ligne ici. Parcours, on va modifier la ligne. Cette ligne-là. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Comment est-ce que je dois faire un arrêt ici? Comment ça marche encore ça?
Comment ça marche encore pour la ligne On va faire un arrêt de chaque côté. Ah, c'est nul ça. Ça ne peut marcher que dans un sens. Oh, c'est complètement nul ça. Mais attendez, il y a peut-être une petite, y a peut-être un moyen. J'ai peut-être mon idée. Ça va jamais marcher. Hein. Ah non, ça va jamais marcher. Il faut que j'en fasse un de l'autre côté. Waouh. Là, clairement, vous exagérez. Hein. Clairement, ils exagèrent. Là. Ouais. Non, mais si vous voulez que j'ai que ça à faire, moi, des passerelles. Parce que, un, vous savez ce que c'est que les passerelles, hein? Faites ça comme si le monde. Ah non, ça marche, tiens. Ok. Voilà, comme ça, c'est mieux. Mon faisceau. Non. Ok. Bah écoutez, moi je trouve que ça se tient. On va faire option jour-nuit. C'est parfait. Est-ce qu'il y a encore seulement un bateau qui circule ici? C'est parfait ça. Voilà, on se croirait dans les bûches à Qualibi quoi. Ah, à Walibi ou dans un parc d'attractions là. Voilà. Alors comment ça se passe? Oui, je sais, j'ai vu Phil. C'est un pédalo le truc. Voilà, exactement. Et on pédale et on pédale. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus inspiré quand il s'agit de construire. J'ai des idées de génie, je trouve. Devant tous mes viewers ainsi rassemblés, j'ai de vraies idées de génie. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Voilà. Non, c'est vraiment génial. Mais moi, ça, c'est beau en plus. C'est un canal, c'est beau, il voit que des murs partout, quoi. Car en plus ça va vite, c'est rapide, c'est exceptionnel. Non, moi je suis vraiment content. Vraiment, vraiment content. En tout cas, ce qu'il faudra prévoir évidemment dans ce village alpestre ou alpin. Alpin évidemment. Faudra, voilà, si vous avez des idées de quelques modes, il faudra me les donner. Ça pourrait être sympa.
Faudra essayer de bien prévoir ça. En tout cas, j'ai prévu le téléphérique. Ça, c'est cool aussi. Ouais, j'ai supprimé les digues supérieures. C'est vrai, maintenant j'aurai plus de problème d'inondation. Je ne toucherai pas au canal, évidemment. Peut-être qu'un dirigeable, ça serait pas mal aussi, hein. Oui, je sais, c'est Alpin. Tu vois, papa. Il s'est pas arrêté. Wow! Il s'est pas arrêté ou c'est moi? J'ai supprimé les digues. Hein. Ah! Oh! Mais bien sûr! L'électricité n'est pas encore là. Et comme l'électricité n'est pas encore là, et ben voilà. Sauf que les téléphériques marchent même sans électricité. Il va quand même pas falloir leur donner de l'électricité dans cette zone. Ils en ont automatiquement, non? Voilà. Voilà. J'ai un 7 mode chalet. Ah, Moriarty, tu sais me passer ça sur Discord à l'occasion. Ça serait bien. Pourquoi pas mettre des chalets, c'est vrai. C'est pas trop chiant à installer. Mais pourquoi pas? Niveau électricité, maintenant il y a tout. C'est au niveau de l'eau que je vais devoir voir ça. Tout du chauffage. Hein. Comment ça pente trop incliné? Pour le moment, je vais faire un truc vraiment rapide. Histoire qu'il y ait de l'eau un peu partout. Voilà. On va voir si maintenant il va s'arrêter. Ça serait quand même bien qu'il s'arrête, quoi. Ah, c'est vrai que je pourrais peut-être mettre une éolienne, ouais. Pour le moment, j'ai mis ça, oui, j'ai vu ça trop loin, j'ai vu ça trop tard. Il s'arrête. Oui, il fait ça bizarrement, mais... Ah, il n'y a pas la nuit. Oui, il n'y a pas les bateaux la nuit, bah oui, non, effectivement. Les bateaux la nuit, ça peut pas marcher, hein. Faut que je fasse gaffe de pas me fail. Sinon, je vais supprimer le canal. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. 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 Sauvegarde, voilà, c'est bien. On supprime cette digue-là. Les autres, je suis pas sûr. Il y a quand même des gens qui prennent ces routes, hein. Voilà. C'est très bien. Alors ici, par contre, franchement, j'hésite. Voilà.
Franchement, j'hésite. Oui, je viens de voir ton message, Phil. Je viens de voir ton message. Après, si c'est pas possible pour toi, bah, je ferai autre chose, hein. T'inquiète pas. C'est pas comme, c'est comme si je manquais de jeu. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de lignes. Alors, je suis curieux de voir si. Oui, regardez, stop. Regardez, 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 ça marche, hein. Je vais prendre cette roue-là, cette rue-là. Et parfait. On va regarder un peu ce que ça donne. Donc. Donc, hop, hop, hop. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, alors évidemment, bon, il va falloir un peu définir les politiques aussi, hein. Déjà, politique pour pas s'occuper des chalets. Tout ça sera intéressant. Et alors, Moriarty, merci pour justement le set pour les modes chalet. Je verrai ça avec beaucoup d'intérêt, mais c'est sympa, voilà. Franchement, c'est. C'est sympa. Voilà. On va voir un petit peu la route que fait cette voiture. Oh, mais ça se tient, je trouve. Voilà, ça fait du bien en tout cas de repartir sur de la construction parce que. Ouais. Moi, ça m'inspire beaucoup plus que le mode gestion du trafic ou ce genre de truc, au fait. En tout cas, voilà. Alors, pour ceux qui veulent des infos sur le mode du chalet, ben, notre ami Moriarty nous explique ça sur le Discord de City Skyline. Voilà. Et Phil était en train de se défiler en PV. Les voitures qui sont garées n'importe comment. Pour ne pas venir sur Star Wars. Forcément, il a peur de mon niveau, quoi. Salut Trivan, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, on a construit un sympathique petit village. J'avais envie de faire également. Bah oui. Le départ en téléphérique, franchement, il faut le faire, hein. Bon, tu vas partir, oui? Voilà, très bien. Regardez-moi ça. Allez, on va regarder ça, puis après je stopperai le stream. Je découvre un petit peu les téléphériques, je les connais pas énormément. Je suis curieux de voir si ça peut. Faut rapporter. Bah oui, Triban, comme d'habitude, toujours à la fin, quoi. Toujours, toujours, toujours à la fin. Ah non. Non, je peux pas. J'ai un train à prendre. T'inquiète pas, on parlera sur Tinder, Triban. Non, je rigole. Allez, hop. C'est un peu lent les téléphériques. Je voudrais pas être ceux qui sont dans la descente là. C'est un peu lent, quoi. Et vas-y que.
Waouh. Là, je pense qu'on arrive au chemin du leader suprême, le plus haut de la... Oh, regardez-moi ça. Plus haut de la ville. Ah voilà, regardez. Oh, yolo. Ah ben bah, on voit Triban et son suppositoire au fond, ça c'est bien. On s'en fout de mon train. Ouais, mais il y a des personnes qui s'en foutent pas, tu vois. T'es sûr que ton Thalys circule? Ah, pourquoi est-ce qu'il circule? Pourquoi est-ce qu'il circulerait pas? Il y a des problèmes avec la tempête? Je regarde. Si, si, il est annoncé à l'heure. La tempête fion, n'importe quoi. Ok. Pire que les attractions Planet Coaster. Ah, ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Non, moi écoute, voilà, je. Quand je regarde sur, sur les sites de la. Des infotrafics, tout va bien. Voilà. Non, non, tout va bien. Et là, on va donc voir l'arrivée. L'arrivée sur la ville est assez jolie, je trouve. C'est sympa. Ouais, franchement, allez, ça se défend. Je trouve ça bien. Il faudra évidemment. Oula, ouais, là, bon, là, évidemment, cette partie-là de la gare, c'est moins bien. Non, et ce week-end, il n'y aura pas de stream à part dimanche. Je reviendrai à 19h, de 19h à 21h avec Rorschach sur NSPS2. Et puis après, on partira le soir avec Phil sur Star Wars Battlefront 2. En tout cas, voilà. On a commencé le village, les Alpes Asgariennes. Enfin, je trouve ça vraiment stylé. Je trouve le bateau énorme aussi. Quand même un passager là-dedans. Bon, pas pourquoi il n'avance pas, mais le bateau est pas mal. Voilà. Moi, je valide. Non, c'est le week-end prochain, Triman. Non, mais oh, ça sert à quoi que je fasse un agenda? Voilà. En tout cas, c'est super. Bon. Bah écoutez, voilà les petites trames de base du jeu, ils sont très bien, ils sont très jolis les trames. Voilà. On va se perdre dans le temps, mais effectivement, voilà, vous vous perdez, à chaque fois vous vous perdez. Voilà, et regardez. Regardez là. L'Aquafun Park. Vous avez vu ici? Il y a Phil qui s'occupe à. Phil, c'est XTR3DDX. Hein. Voilà. Et là, on a Moriarty. Voilà. Ah bon, et Triban, elle s'est noyée donc. Voilà. Bon. Ah, nickel, Liliera. On va se perdre dans le temple. Ah oui, dans le temple aussi, c'est clair. Bon, allez, voilà, j'ai retrouvé un peu de l'inspiration de la construction dans Cities Skylines. J'en suis ravi. On va peut-être rajouter aussi ici une. Allez, on va vite rajouter une petite route ici, parce que je me dis qu'il faut un petit chemin de terre par ici. Ça serait dommage de ne pas en avoir. Voilà, qui est fait. Et donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à dimanche. Et Triban et la baleine, oui, mais ça, j'osais pas le dire. Et donc, voilà, ça sera super. Bon week-end tout le monde, et à la prochaine pour plein d'autres jeux sur la chaîne Asgard. Et le défi sera de vous retrouver. Merci à tous d'être là, d'avoir été là, c'était super. Bon week-end, à dimanche soir, ciao ciao.